C'est une rencontre à plusieurs niveaux. C'est la rencontre de l'autre déjà. La rencontre de tout un tas de gens qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qui nous bouleversent, qui nous transforment. Après, c'est aussi la rencontre des gens qu'on connaît, avec qui on approfondit et on perfectionne des relations qu'on peut déjà avoir. Déjà, le fait de quitter chez soi, de se retrouver avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont une autre famille aussi quand même. Ce que j'aime aussi, moi, c'est le fait d'être en groupe, ensemble. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un esprit de famille. Quel que soit le service, on passe un bon moment parce que c'est une bonne famille bien unie. Les contacts avec des personnes que je n'aurais jamais rencontrées, l'ambiance. Pour sortir un petit peu de nos habitudes, où on sent qu'on est un peu tous dans le même cas et les rencontres sont du coup plus faciles. Ça me permet de mettre en sortie vers des gens dont on a plutôt tendance à s'éloigner au quotidien. Bien sûr, c'est aussi la relation à Dieu, c'est le temps de recul par rapport à notre vie quotidienne, c'est le temps de se poser devant la grotte, d'intercéder avec Marie pour s'ouvrir à l'appel de Dieu. À travers les personnes malades, on rencontre le Christ. Petit à petit, j'ai senti que le Seigneur m'apaisait. J'ai quelque chose à y vivre ici, il faut juste que je sois disponible et que j'y sois pleinement. C'est difficile d'exprimer tout ce que j'ai ressenti, mais j'étais très touchée et j'en ai même pleuré, voilà. Bernadette, la Vierge Marie lui a demandé de mettre les mains dans la boue et de se laver et de boire à cette eau. La boue, c'est la saleté. À son insu, on essaie de s'en débarrasser. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le cœur. Oui, c'est un signe de foi pour moi. Spirituellement, dans nos vies, c'est comme l'expérience des piscines, il y a des choses qui bloquent. Et il faut qu'on apprenne à se laisser faire avec d'autres, à se laisser faire par d'autres, pour se laisser renouveler par Dieu, se laisser renouveler par la vie que Dieu nous offre. Se laisser renouveler par ce qu'on vit les uns avec les autres. Et peut-être que les piscines, c'est ça que ça nous dit aussi, parce que ça fait le lien avec le baptême, la nouvelle naissance. Et on sait combien pour naître à la vie spirituelle, on a besoin les uns des autres, on a besoin de s'abandonner en fait. Et l'expérience d'être malade et de vivre les piscines, je crois que c'est vraiment cette expérience spirituelle-là, c'est de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux dans ma vie? Comme tu veux, toi. Et moi, je m'abandonne en confiance à ce que tu feras, à ce que tu permettras. Alors, nous vivons une expérience de famille diocésaine. Dans la famille plus grande, plus large de l'Église universelle, notre regard sur l'humanité à travers les malades, les personnes handicapées, dans les pèlerins de divers horizons qui sont là, notre regard est lavé. Nous portons un regard neuf sur l'humanité, sur la beauté de l'humanité dans ses fragilités, ses faiblesses, sa maladie. Et nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, avec l'Église, profondément. Marie, notre mère, est la figure de l'Église, cette mère aussi, cette mère qui nous rassemble. Jeune ou moins jeune, on s'entend tous bien et on partage des moments inoubliables. On a le côté je viens en aide aux personnes qui en ont besoin, et on a également le côté on prend du temps pour soi, pour sa propre foi. On vit des temps forts à Lourdes avec les malades, on participe aux messes, etc. L'hospitalité dauphinoise, c'est une association loi 1901. Le but est d'accompagner les pèlerins malades du diocèse de Grenoble-Vienne à Lourdes. On y grandit ensemble. On donne du temps, de la patience, de l'amour, on s'occupe des gens, mais ils nous donnent aussi, c'est vraiment un échange. Ça va du soin, des toilettes le matin, au repas, au roulage, au partage de temps de prière, de temps de fraternité jusqu'au coucher. Beaucoup de choses qu'on apprend, ça nous permet aussi de nous découvrir nous-mêmes. Ça change beaucoup de choses. On a une brèche sur le paradis ici. C'est comme tout pèlerinage en fait, c'est qu'en le vivant qu'on peut en tirer vraiment le sens profond. On vient quel que soit l'état de notre foi, quel que soit l'état de notre cœur. Venez faire l'expérience. Ça vaut le coup. Venez voir. Venez-y, la Sainte Vierge vous attend. Ce n'est que du bonheur.